j'ai décidé de le diviser selon deux aspects. Premièrement, une préparation de laboratoire qui se fait sous forme d'exercices, donc ils doivent réussir les exercices avant d'arriver au laboratoire. Ces exercices portent évidemment sur les notions de base, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas toujours l'occasion de voir avec la théorie. Et puisqu'ils ne sont pas vus, eh bien, en ligne, j'ai aussi des rappels théoriques donc, qui permettent de combler cela. L'autre partie du cours en ligne, ça me permet d'approfondir les rapports de laboratoire avec le forum. Donc ça, c'est la partie où je vous ai parlé des conclusions qui me paraissaient parfois insuffisantes dans les rapports des étudiants. Et à l'aide de ce forum, j'espère améliorer ça.